Danny. Salut, pa. Eh ben, entre, mon grand, je t'en prie. Ah, je suis content de te voir. Janet. Oui. Devine qui est là. Oh non, c'est pas vrai. Ta mère a couru à droite et à gauche toute la journée. Elle est... Enfin, tu la connais. Oui. Danny. Oh, dis-moi que je rêve. Tu as pris un avion plus tôt. Oh, je suis tellement heureuse que tu sois là, c'est ça qui compte. Bonjour, maman. Quelle merveille de te voir. Enfin, j'ai hâte que tu me racontes tout ce que tu as pu faire à San Francisco, tes débuts dans le milieu de la presse, je veux tout savoir. Enfin, laissons-le d'abord s'installer et tu retrouveras ta chambre comme elle était. Ah, génial, oui. Génial. Ta sœur va venir, elle est impatiente de te voir. Bon, alors installe-toi et va voir comment j'ai arrangé ta chambre. Oui. Allez, et on prendra un verre quand tu redescendras. Merci, Annie. Mm-hmm. Merci. Comment est le gigot? C'est un régal. J'ai toujours trouvé que dehors, on appréciait mieux les plats. Et toi? Absolument. Tu n'aimes pas Danny? Bien sûr qu'il aime ça. Je crois me souvenir que le gigot est son plat préféré, n'est-ce pas, Danny? En fait, je ne mange plus de viande maintenant. Ah oui? Et depuis quand? Ça fait à peu près 3 ans déjà. C'est délicieux, pas. Ça va au musée? Oh, c'est toujours pareil. Nous parlons cinéma sans arrêt. J'essaie de les impressionner avec ma culture de cinéphile, mais je sais que quand ils me regardent, ils ne voient qu'une vieille femme au foyer. Sa collaboration est très appréciée au musée. Oui. C'est uniquement parce qu'ils ne me payent pas. Regarde ça. Il y en a tellement que je ne sais plus quoi en faire. Oh, elles sont super. J'adore les tomates du jardin. Bah, tant mieux, parce que tu vas en manger 3 fois par jour pendant un mois. Parfait. Je vous ai dit qu'il était question que Johnny passe directement en CP. Tu sais, Johnny s'est déjà épelé rhododendron. Ah, c'est très bien ça. On a besoin d'un autre jardinier dans la famille. J'aurais aimé que tu nous amènes Johnny pour le présenter à son oncle. Et Tim? Mais c'est qu'en ce moment, Tim est submergé de travail. Il a voulu emmener Johnny jusqu'à Greenwich pour lui faire découvrir cet endroit. Ils ont été si peu ensemble ces derniers temps. Oh, raconte à Danny l'immeuble que Tim a acheté sur Madison. Tu as assez de temps devant toi. Vraiment, on a été débordés. Je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'aller en Californie te rendre visite. Mais tu sais, entre les conseils d'administration de Tim, mon travail, notre nouvelle maison, Johnny... Tu vois... Dieu, Danny... Tu dois vraiment avaler tout ça? Oui. Mais c'est pour quoi faire? Rien, en fait. Et si nous faisions une balade jusqu'au ponton après le souper? Ce serait amusant? Ça te plairait, Danny? Eh bien... Bon, ben moi, malheureusement, je ne peux pas. Je dois préparer ma valise. À propos, il faut que j'appelle Carla. C'était délicieux, mon amour. Merci, chérie. Bon, moi aussi, je vais partir maintenant. Mais, comme d'habitude, maman, c'était magnifique. Merci infiniment. Merci à toi. Danny, on essaie de se voir un de ces jours, alors on se téléphone. Oui, d'accord. D'accord? Alors, surtout, fais attention que maman ne te gâte pas trop. Danny,
Tu n'as besoin de rien? Non, non. J'étais en train de... me rappeler que quand j'étais petit, tu disais... Tu m'avais dit qu'on appelait ce moment de la journée l'entre-chien et loup. Tu te rappelles? Oui. C'est le moment où on dirait que le ciel se rapproche de nous. Et que le paradis descend sur terre. Je ne pensais pas que tu te souviendrais de cette conversation. Je crois qu'à l'époque, tu avais à peine 6 ans. Ça m'est revenu il y a peu de temps. Mais tu n'as rien dit ce soir. Ah, je... J'ai pas grand-chose à raconter à propos des tomates. Au moins ça, tu aurais pu le dire. J'essaie de garder mon énergie. Dis-moi, tu te rappelles quoi d'autre? Des petites choses. Je me rappelle que... pour m'aider à m'endormir, tu venais me voir, tu chantais près de moi. C'était bien. Écoute, maman, il y a certaines choses qu'il va falloir que je fasse. Je dois écrire mon testament. Merci. Mais de quoi? De ne pas avoir dit tu as largement le temps pour le faire ou à peu près ce genre de conneries. Mais je t'en prie. Est-ce qu'il dort? Alors? Alors quoi? Il t'a parlé, non? Oh! Oui. Oui, en effet. Enfin. Il veut faire son testament. Eh bien, ça n'est peut-être pas tout à fait urgentissime. Non, je crois qu'il tient vraiment à le faire maintenant. Ouais, je vois. Bon, ben, je serai nécessaire. Alors, tu vas lui en parler? Je vais voir comment faire et Carla s'en occupera. Très bien. Est-ce que tu montes avec moi? Oui, je te rejoins. Qu'est-ce que tu lis? Quoi? Ton bouquin. Oh, un livre qui parle des grands réalisateurs italiens et de l'inspiration que leur ont procuré certaines villes, comme Rome, Frascati, Venise. Tu vois, ça me donne envie d'aller là-bas. Bon, j'ai éteint les autres lumières. Mirna a l'air très sympathique. Oui, tout à fait. Ah, mais je trouve que avoir une infirmière à la maison, c'est un peu comme avoir une seconde mère. Qu'est-ce que tu en dis, Danny? Maintenant, il nous faut une bonne glace. Danny? Ah, bien sûr. Non, après un tel dîner, non merci. Il nous faut surtout un peu d'exercice. Tu n'arrêtes pas d'en faire ces derniers temps. Eh bien, c'est bon pour le mental. Rester assis à réfléchir peut être tout aussi bénéfique. Le secret de la vie, c'est l'activité, se maintenir occupé. C'est pas vrai, Danny? C'est l'heure du traitement respiratoire.
C'est toujours ton moment préféré? Oui. Oui, je crois. Pourquoi tu l'aimes tant? Peut-être parce que tout semble ralentir imperceptiblement. C'est l'heure où la nature se travestit, disait ton grand-père. Il aimait les travestis? Danny! Oh, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Comment peux-tu en être sûr? Oh, à part ça, tu aimes quoi? Je ne sais pas, je crois que j'aime les choses ordinaires. Enfin, tu sais ce que j'aime. Non, j'en sais rien. Oh. Tiens, j'aime mon rosier grimpant sur la véranda. Changeons de sujet maintenant. Oh non, dis-moi ce que tu aimes d'autre encore. Pourquoi? Qu'est-ce que tu tiens à savoir? Ça m'intéresse, c'est tout. Oh, voyons, Danny, il n'y a rien d'intéressant à prendre sur moi. Pourquoi tu veux tellement rester effacée? Mais non, je vois la vérité en face, je suis très... ordinaire. La seule chose extraordinaire qui a pu m'arriver, c'est toi. C'est ça. Continue, flatte-moi. Dis-moi à quel point je suis sublime. Non, je veux pas que tu deviennes prétentieux. Eh ben, je crois que tu es tout sauf ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait bien longtemps que personne ne m'a fait le moindre compliment. Je peux? Bien sûr. J'ai pensé à t'amener quelques objets de ta chambre. Ah. Tes trophées te tiendront compagnie. Tout va bien, papa, je t'assure. Qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être un peu encombrant ici. Tu sais, je... Ouais. Ah, quel joueur de tennis tu as été, Danny. Double vainqueur du championnat 2 années de suite. C'est de la préhistoire, tout ça. Ah non, pas du tout. J'ai tout essayé, papa. Tout essayé. Et qu'est-ce que tu penses de cette photo de toi et de Jerry Norwood quand vous avez gagné le tournoi senior? Et tu sais que je joue toujours avec son père au club? Ah oui? Ouais. Jerry est passé pro là-bas. Peut-être que tu pourrais venir le voir, ce serait bien. Oh non, je ne crois pas. Pourquoi? Vous étiez très liés, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. On était très liés. Bon, et si je le mettais par là? Oui, d'accord. Alors, tu as besoin de rien? Tu m'appelles si tu veux quelque chose. Génial, merci. Ne dis rien à ta mère, mais j'ai caché des gâteaux dans mon bureau. D'accord. Merci. Rien. Papa a quitté la table très vite après le dîner. Je crois qu'il avait un coup de téléphone important à passer. Il ne supporte pas de rester en ma présence. Oh non, Danny, ce n'est pas vrai. Oh, maman, je le sais. Pauvre papa. Il doit détester cette situation. Il veut seulement que tu ailles mieux. Maman, il voudrait que tout à coup ça disparaisse. Il ignore tout de moi. Il ne sait même pas qui je suis. Je vais te dire. C'est tant pis pour lui. Merci. C'est aussi tant pis pour lui en ce qui vous concerne. Il n'est pas le seul fautif. Ah, oh, je sais. Pour le tango, il faut être deux. De qui parles-tu? Eh ben, papa et toi. Oh. T'es quoi avec ton père? Eh bien, vous êtes si éloignés l'un de l'autre. Il n'y a aucune communication. Je n'ai jamais trouvé que tu avais l'air heureuse. Ah bon, c'est peut-être un peu excessif, je trouve. Tu l'as rencontré à ta première surprise partie? Mm-hmm. C'était la première fois et on ne s'est jamais quitté. Tu avais 18 ans? Oui.
pourquoi tu l'as épousée? Oh, nous étions follement amoureux. C'est vrai? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois pas tellement d'amour entre vous deux, ni d'ailleurs une quelconque relation. Danny, je sais que parfois ton père et moi ne donnons pas l'impression de parler le même langage. Une minute. Je crois que l'un des grands objectifs du mariage, c'est de parvenir à s'accepter l'un l'autre. Et pour résumer, ce qu'il faut surtout, c'est tenir bon quoi qu'il arrive, suivre la même route, tu vois? La ténacité. La ténacité? Oui, la ténacité, dans le meilleur sens du terme. Tu vois, maman, je pense que la vie est trop courte. Je trouve qu'ils sont bidons, tous tes arguments. Mais qui te donne le droit de juger? Il semblerait que ce soit un petit peu hors de propos par rapport à ton expérience personnelle. Comment peux-tu savoir ce qu'a été exactement mon expérience personnelle, maman? Thanksgiving. Moi aussi. Tu t'es déjà demandé pourquoi je ne venais plus? Oh, je ne sais pas, je... Oui, sans doute. Et tu me manquais. Alors je me disais que tu étais préoccupé par ta propre vie, que San Francisco était bien loin. Tu te souviens de Paul? Oui. Ton ami qui partage ton appartement. Mon amant, maman. Eh bien, je m'en doutais. Oui, mais tu ne m'en as jamais parlé. Tu ne m'en as pas donné l'occasion. Il fallait la créer. Tu es injuste, Danny. Maman, pourquoi tu ne nous as jamais invités tous les deux pour Thanksgiving? Eh bien, je crois que si j'avais su que c'était si sérieux entre qu'est-ce vous, que j'aurais... Qu'est-ce que ça aurait changé si je t'avais dit que c'était si sérieux? J'aurais envisagé les choses sous un autre angle. Non, tu essaies de te justifier. Danny, je t'ai toujours accepté tel que tu es. Peut-être bien, mais tu n'as jamais voulu avoir la moindre complicité. Je crois que la seule image, moi et de mon amant, nous passant les plats au dîner de Thanksgiving, était un peu difficile à admettre. C'est dommage, parce qu'il est génial et qu'il aurait fait très bonne impression. Oui, j'en suis certaine. Et tu lui aurais tellement plu. Oh, Danny. Et il serait tombé sous le charme de grand-père, sans mauvais jeu de mots. Annie et Tim l'auraient saoulé avec leur petite vie bien réglée. On aurait pu en parler plus tard et avec le recul, on aurait ri. Papa aurait été charmant, enthousiaste et... En fait, j'ai toujours pensé que lui et Paul s'entendraient à merveille. Ils auraient probablement fini par jardiner tous les deux. J'aurais dû me comporter avec toi autrement. Je te demande de bien vouloir accepter mes excuses. Oh, maman, tu parles comme un formulaire de banque. Oui. Pardonne-moi. Ça ne fait rien. Ça va? Oui, j'ai un petit peu froid. On devrait rentrer. Tu veux? D'accord. Maman. À notre quatrième Thanksgiving, juste avant notre séparation, Paul et moi, on est rentrés du resto chinois
On s'est assis par terre dans notre appartement et on s'est dit qu'on avait énormément de chance tous les deux de ne pas être obligés de participer à ces fêtes familiales si ennuyeuses. Tout le monde s'arrange à sa façon. C'est malheureusement ce qui se passe quand on refuse la vérité. Bonsoir. Entrez, voyons. Il bat vite. Ça ne m'étonne pas. On a eu une longue conversation. Bon, je lui ferai ses soins plus tard à l'heure des médicaments. Il est toujours votre bébé, j'ai l'impression. Oui, toujours. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour lui? Eh bien, il est très confortablement installé. Non, je veux dire, j'ai lu quelque part qu'il y avait de nouveaux médicaments, d'autres soins. Ce docteur Berman, est-ce qu'il est vraiment compétent? Vous savez, son taux de T4 est descendu si bas que ni le docteur Berman ni personne au monde ne pourrait arriver à le sauver. Il est rentré pour mourir chez lui. On ne peut pas rester comme ça, impuissant. Il a une SER. Qu'est-ce que c'est? Sans espoir de retour. Alors il a fait son choix et la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui à partir de maintenant, c'est l'aimer. Pourquoi ne pas aller plus loin et le caresser? Je l'ai caressé tellement. Vous pouvez encore? Non. On fait ça au niveau du poignet. Comme ceci. Deux doigts à peine serrés. Oui, c'est ça. Vous sentez? Oui. Ensuite, vous tenez ça. Vous essuyez l'embout. Et vous les reliez. Et n'ayez pas peur, vous ne lui ferez aucun mal. Allez-y. Bien au fond. Magnifique. Reposez-le. Vous êtes infirmière depuis quand? J'ai l'impression que ça fait des siècles. Thank you.
I'm young and healthy, and you've got charms. It really is sin not to have you in my arms. I'm young and healthy, and so are you. When the moon is in the sky, tell me what am I to do? Say. Oh. Maman? Annie, je t'ai pas entendu entrer. Est-ce qu'il fait sombre ici? Tu as vu Danny? Oui, il dormait. Oh, maman, je sais pas comment tu fais. C'est une journée splendide. Pourquoi tu n'es pas au bureau? Eh bien, j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était vacances pour moi. J'ai pensé qu'on pouvait peut-être aller en ville toutes les deux et s'offrir un bon déjeuner. Je sais pas. Où est Jenny? Oh, avec sa nounou. Alors, que penses-tu de ce déjeuner? Tu es mon invitée. Mais tu dis que tu l'amènerais pour qu'il rencontre Danny. Maman... Pourquoi n'iras-tu pas le chercher maintenant? J'avais prévu qu'on passerait la journée toutes les deux, rien que toi et moi. Ça te sortirait un peu de cette maison? Je vais très bien. Maman, j'ai beaucoup de choses à te raconter, tu sais. Tim a un nouveau projet. Oh, ben j'en suis ravie. Et j'ai su par quelqu'un que Linda pensait à moi pour un nouveau poste. Toutes mes félicitations, je suis très contente pour toi. Alors, que penses-tu d'une journée entre filles pour fêter ça? Non, je crois pas. Danny a besoin de moi. Oh, voyons, maman, je crois qu'il est suffisamment entouré. En plus, papa m'a dit que... Ton père ne sait pas de quoi il parle. Eh bien, j'aurais voulu qu'on discute un peu, toutes les deux. On se fait du souci, figure-toi. C'est ton père qui t'envoie me dire ça? Non. Non, c'est moi seule. C'est vrai qu'il m'a appris que tu y passais le plus clair de ton temps. Il se comporte comme un mari jaloux. Tu ne peux pas lui en vouloir. Qu'est-ce que je dois en conclure? Rien. Faut aller surveiller Danny. C'est pas à l'infirmière de le faire? Non, ce n'est pas la même chose. Mais bien sûr, maman, tu te consacres à Danny encore. Pour lui, ça doit être le paradis. Excuse-moi. C'est bizarre, toi et Danny, vous avez toujours eu cette espèce de relation si intime. Oui. Laisse tomber. Non. Quoi? Tu ne penses pas que papa a dû se sentir un tout petit peu exclu? C'est ridicule. Tu vois, moi, je l'ai ressenti comme ça. Quoi? Oui, c'est vrai. Et pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Danny a toujours été ton préféré. Oh, Annie. Je vous ai aimé autant l'un que l'autre. Pourquoi tu me dis tout ça aujourd'hui? Pourquoi n'avoir jamais rien dit? Parce que ça ne se fait pas de parler de ces choses-là dans cette famille. Parce qu'on ne l'a jamais fait. Chérie, si par le passé, j'ai éprouvé le besoin d'accorder à Danny plus d'attention qu'à toi et à ton père, c'est qu'il y avait des raisons. Oh, je t'en prie. Tu sais où ta surprotection l'a amené? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien, excuse-moi. Pardon. Je n'étais pas venue ici pour me disputer avec toi. Mais je t'assure... Maman. Quoi? Tiens, voilà, ce sont des cachets pour toi. Tu en prends? Je ne veux pas prendre des tranquillisants. Je vais parfaitement bien, ça va? À mon avis, tu as tort. Avant de partir, j'aimerais savoir... Pourquoi n'as-tu pas amené Johnny avec toi aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu craignais? Que ton enfant attrape quelque chose? C'est curieux. Je trouve que moi aussi, j'ai tendance à trop couver Johnny, tu vois, pour le préserver un petit peu. Mais au moins, je ne commettrai pas les mêmes erreurs que toi. Vraiment? Eh bien, tu devrais peut-être réviser tes appréciations psychologiques, parce que maintenant, on dit que ce serait génétique. Évidemment, ça t'arrange. Rien n'est de ta faute. Qu'est-ce que c'est? Oh, je crois que ça concerne l'Italie, c'est pas ça? Rome, Venise, Frescati. Oh, Martin. Et un petit séjour sur la côte aussi. Oh, il est impossible que je parte maintenant. J'ai vu le docteur Berman, il dit que c'est sans problème. Non, là n'est pas la question. Janet, je m'inquiète pour toi. Tu as besoin de te reposer. Moi aussi d'ailleurs. Je ne veux pas partir maintenant. Tu ne te souviens pas de nos dernières vacances? On a fini par s'entre-apercevoir assis à des tables différentes à Positano. Janet, tu as besoin de repos. Je ne te reconnais pas. Tu ne vas même plus à ton travail. Je suis bénévole, je ne vois pas ce qui te dérange. Mais enfin, tu ne sors jamais d'ici. Avant, ça ne t'ennuyait pas, je crois.
J'aurais voulu que tu essaies d'aller vers Danny. J'ai essayé. Il se bloque avec moi. Il l'a toujours fait. Comme toi, tu t'es bloqué avec lui, il me semble. J'en ai marre d'essayer de parler à votre place et qu'ensuite on me fasse des reproches. Mais qu'est-ce qui te fait des reproches? Oh, pour l'amour du ciel! Quel est ton film préféré? Oh, mon Dieu, il y en a tellement. Que tu aimes entre tous? Je ne sais pas, à vrai dire, je peux changer d'avis parce que ça dépend souvent du genre d'histoire qui me touche à un moment précis. Tu vois, un jour, une histoire me parle vraiment. D'accord, et de quel genre? Eh bien, l'année dernière, j'étais obsédée par des films qui parlaient des immigrants qui vivaient en Afrique, en Australie. Ah, ça, c'est une envie de rechercher ses racines. Non. Et en ce moment? Non, tu vas te moquer de moi. Non, mais si, je suis sûre. Si, sûr, je suis sûre. Vas-y, dis-le moi. D'accord, Iti. Ben, tu fous. Mais pourquoi donc, Iti? Eh ben, ça parle de notre enfance. C'est distrayant, c'est triste. Et je crois que ce sont les meilleurs films qui arrivent à te faire pleurer, ou rire et tout ça en même temps. S'il te plaît, j'en voudrais un verre. Danny, c'est raisonnable, tu crois? Maman, je ne pense pas que ça fasse énormément de différence. Tu sais ce qui est amusant? Quand je suis vraiment, vraiment en colère contre la vie, j'adore regarder un navet hyper violent. C'est comme si je me punissais. Tu crois que c'est pour ça qu'ils nous plaisent? C'est vrai qu'à une époque, j'adorais le genre gore. Alors, je m'en voulais tout de suite après d'avoir eu la faiblesse de m'y être intéressé. Tu sais, on doit toujours se demander pourquoi on a certaines envies. On y voit plus clair. En définitive, je crois que ce que j'aime surtout, ce sont les vieilles comédies romantiques. Ah, moi aussi, j'adore les histoires d'amour. Tu sais, les vieilles comédies musicales. J'ai horreur des scènes de lit. Ça me surprend beaucoup. Non, c'est pas ce que tu crois. Tu penses que je suis une vieille puritaine. Ça fait partie du boulot d'une mère d'avoir ce comportement. C'est vrai, je dois admettre que j'en ai peut-être un peu trop fait. Ne change pas de sujet. Dis ce que tu penses sur les scènes de sexe. Eh ben, c'est strictement privé. Je crois que les réalisateurs veulent nous épater quand ils filment des scènes de sexe. C'est pas nous faire voir du sexe qui les intéresse. Ce qu'ils veulent, c'est nous démontrer qu'ils n'ont pas peur de ce genre de scène. Comme s'ils avaient tous envie de faire un pied de nez à leur mère. Non, tu crois pas? À leur mère? Oui, bien sûr, j'en suis certaine. Sinon, pour quel motif? Parce que je suis persuadée qu'on ne peut pas filmer l'amour charnel. Tu vois, parce que la réalité, les vraies sensations, la véritable émotion sont 100 fois supérieures à ce qu'on nous montre dans les films. Tu comprends? Si on exhibe que le côté purement mécanique, le résultat, c'est que ça devient médical ou même pornographique. Et si tu filmes les rapports sexuels? Oh! Yark. Oh non, tout ce qui concerne le sexe et qu'ils veulent absolument nous faire voir n'est que leur propre misère sexuelle. Non mais c'est vrai, qui a envie d'aller voir ça pour l'amour du ciel? Il y a suffisamment de misère sexuelle pour ne pas en rajouter. Oh mon Dieu. Non mais c'est ce que je pense, sincèrement. Pour moi c'est comme si on observait quelqu'un aux toilettes. Oh, pas ça, oh, tais-toi, c'est affreux. Et c'est moi la puritaine? J'ai pas dit que je l'étais pas. On va peut-être changer de sujet finalement. Je ne pense pas, au contraire. Non, parce que je me pose certaines questions sur ce côté de ta vie, tu comprends? C'était satisfaisant entre toi et Paul. Ne me dis pas que finalement tu veux qu'on parle de ma vie sexuelle. Non, je veux qu'on parle de ta vie amoureuse. Oh, ma vie amoureuse? Mais oui, je suis sérieuse. Tu as aimé? Tu as été aimée en retour? Dis donc, toi, t'es direct. C'est parce que je vieillis, je ne veux pas perdre le temps. C'est vrai, peut-être que tu pourrais confier ce genre de secret à papa. Ah, ne sois pas insolent. C'est toi qui as commencé. Bon, très bien, je m'arrête. Je veux que tu me chantes quelque chose. Oh. Allez. Non. Je dirais à papa que tu m'as fait boire. Ça s'appelle du chantage. Ouais. Je t'en prie, maman. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Tu sais bien. Oh, tu étais si petit quand je te chantais ça. S'il te plaît. Très bien.
Les bergers t'appellent et chantent. Vers chaque vallée descendent de la montagne. L'été s'en va et les roses se fanent. C'est toi qui pars et moi qui espère. Mais reviens-moi quand resplendira le printemps. Quand des vallées fondra le tapis blanc. Toute ma vie, j'ai confiance et je t'attends. Oh Danny boy, oh Danny boy, je t'aime. Chanter. Oui. Il aime quand je chante. Tu n'as pas chanté depuis si longtemps. C'est vrai. J'en sais rien. Annie a une telle soif de réussite. Je me demande ce qu'elle portera aux obsèques. Sûrement une tenue de circonstance. Ouais. Je pense que la haute couture a prévu ce genre de sauterie. Je suis tellement furieuse contre elle que je pourrais lui dire ce que je pense. Elle ne fait pas pendant la cérémonie. Je dois avouer qu'elle me fait vraiment penser à moi, au même âge. J'imagine que ça va se passer dans... une église. Je crois, oui, mais tu es tout à fait libre de choisir, mon chéri. Ouais. Surtout une cérémonie très simple. Pas de sermon. Pas de... Rien que... Une prière. Et aussi une musique qui convienne. Quel genre ? J'en ai une idée, mais là, je me rappelle pas. Là. En tout cas, de la bonne musique. Quelque chose de très digne. Très bien. Ah. Il y avait ça aussi. Tiens, tu ne préviens que les personnes dont les noms sont marqués, tu le crois. D'accord.
crépuscule. Pas ce soir, mon cœur. C'est dommage. Je veux rentrer chez moi. Tu es chez toi, mon chéri. Je veux aller chez moi. Oh mon Dieu. Myrna ! Elle n'est pas là. Martin ! Martin, viens vite ! Il crache du sang. Il faut que j'appelle le docteur. Il quoi ? Il crache du sang. Je vais appeler mais, le docteur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Reste avec lui, surtout. Occupe-toi de lui. Danny. I'm young and healthy, and you've got charm. It really is not that you miss. Tu étais petite, tu voulais faire quoi ? Oh. On m'a élevée pour que je devienne la parfaite mère de famille. Mais toi, qu'est-ce que tu... rêvais de devenir ? Une mère de famille parfaite. Ne me fais pas rire. J'ai mal quand je ris. Là... Respire. Ça va. Ça va, chérie, ça va. Voilà. Paul me manque. Je suis désolée, mon chéri. Il n'avait pas la... la ténacité dans le meilleur sens du terme. C'est l'heure. Je me rappelle tout ce que ton grand-père disait. Ce moment suspendu entre le jour et la nuit. Ce mystère. Il disait que c'était le seul instant où l'on voyait le visage de Dieu. Il savait raconter les histoires. Pourquoi tu crois que papa fait pousser des tomates alors que... alors qu'il n'en mange jamais. J'en sais rien. Je crois que c'est pour toi. Qu'on rentre maintenant. Danny.
Prenez bien soin de vous. Paul, je me demandais pourquoi ne pas envisager de venir coucher ici quand vous serez dans le coin. Oui. Eh bien, on improviserait un petit souper familial. Bien. Je crois que mon mari serait ravi de vous rencontrer. Très bien. Au revoir. Tu as parlé avec les pompes funèbres? Ah oui. On doit mettre au point les derniers préparatifs. Je suppose qu'il t'avait dit ce qu'il souhaitait. Il n'a pas décidé pour la musique. Je crois bien me rappeler qu'il avait... qu'à l'enterrement de ton père, il avait trouvé les cornemuses parfaites. Oui. Oui, je crois qu'il aurait beaucoup aimé ça. Et tu peux me dire... ce que mon fils aimait d'autre. Passed away in silence,
left you lonely, set you free. For my heart was crushed with longing, what had been could never be. It was best to leave you thus, dear, best for you and best for me. Thank you.